vous êtes V. Montez dans le véhicule, je vous prie. Ok. Bonjour, V. Je suis Jefferson Perlez. Vous avez déjà parlé à ma femme, Elisabeth. Alors, vous avez quoi à me proposer? Carter, en route. Vous aimez aller droit au but? Bah, on pourrait parler du temps qu'il fait, ou du meilleur endroit pour manger des ramen. J'y vois pas d'inconvénient, mais... Très bien. Alors, parlons affaires. Elisabeth? Eh bien, vous le savez sûrement, le maire Lucius Rhine est décédé récemment. Nous voulons savoir comment, pourquoi, et tout ce qui peut être utile. À ce que je sache, l'affaire a été classée. C'est exact. La police a conclu à une mort naturelle, bien sûr. Rhine est décédé chez lui suite à une défaillance de son implant cardiaque. Mais cela n'explique pas l'attaque du cyberpsycho à la mairie, quelques jours plus tôt. D'après la police, les deux incidents ne sont pas liés. Pourquoi vous croyez que les flics se sont plantés? Vous avez des preuves? Peu avant sa mort, Rhine a fait des coupes dans le budget du NCPD. Il s'est peut-être mis des gens à dos. Quoi qu'il en soit, nous avons une déesse de l'attaque du cyberpsycho. Notre chef de la sécurité l'a analysé, mais il n'a rien remarqué d'anormal. Il nous faut un vrai éditeur de danse sensorielle. C'est une déesse brute. La déesse doit être remise à sa place, aujourd'hui. Autrement, beaucoup de gens auront des ennuis. Si vous nous aidez, vous pouvez la regarder maintenant. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Tout ce que vous trouverez, permettant de lever nos doutes, sera le bienvenu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je me demande plutôt ce que tu fous là, toi. Eh, c'est aussi mon cerveau, non? Et que je vous reprenne pas à ma téléfille, c'est le maire que vous devez surveiller. Vous travaillez pour la mairie. Essayez de vous comporter correctement. C'est qui, ce Holt? Aucune idée. Pour moi, c'est tous des tronches de clowns. Regarde, ils sont partis quelques secondes avant l'attaque. On dirait que... tout était planifié. Ou peut-être que le cyberpsycho en a juste profité. Tombe pas trop vite dans la parano.
C'est la deuxième conférence en 3 jours. Je ne comprends pas ce qu'il y a de si urgent. C'est pour ça que c'est moi le maire, et pas vous. C'est maintenant qu'il faut se montrer. Vous allez complètement vous épuiser. Je me reposerai ce soir. Ma chambre au Red Queen's Race, est-elle prête? Oui, bien sûr. Bien. Laissez-moi. Je dois répéter. Le Red Queen's Race. Ce nom ne fait pas percuter les neurones? Si, ça me rappelle des gars en perruque blanche hurlant « Qu'on leur coupe la tête !» Tu peux dire « j'en sais rien » au lieu de raconter des conneries. Arrêtez-vous ! Riverward, NCPD. Un flic ? On le laisse entrer ? C'est important. Je dois parler au chef de la sécurité du maire. Vous lui parlerez après la conférence. Le flic voulait dire un truc à la sécurité. Ouais. Enfin, il était surtout là pour lécher le cul de Rein. On aurait pu chromer la moitié de la ville avec tout ce qu'il portait. C'est sûrement ce qui s'est passé. Son corps a disparu de la morgue, ni vu ni connu. Et après, un flic pourri a dû se payer une nouvelle caisse et un costard affreux. T'es sûr de ça, ou tu racontes encore de la merde? Quand on a vu tout ce que j'ai vu, on n'a plus besoin d'être sûr, on sait. Les gens sont pareils, partout. Ok, donc tu racontes de la merde. Le terminal a planté juste au moment où il passait le contrôle. C'était pas un bug accidentel. Ah, j'ai vu des coïncidences plus bizarres. Comme... s'envoyer une gonzesse, puis sa sœur dans la même nuit, et découvrir qu'elles sont toutes les deux bonnes sœurs. Ça t'est vraiment arrivé? Non. Mais ça aurait pu. Tiens, tiens. Vous lui parlerez après la conférence. Cet air, il me dit rien. Quel air? Ce qu'il fredonne, là. Moi, j'appelle pas ça un air. Il l'aime bien, en tout cas.
Alors, qu'en dites-vous? Vous avez vu quelque chose de suspect? Ou bien nous sommes juste... Je préfère pas m'emballer trop vite. On n'a pas grand-chose, alors... C'est trop tôt pour le dire. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions? Le flic qui a sauvé Rhein. Vous avez... L'inspecteur River Ward. Un type bien. On a travaillé sur quelques affaires ensemble. Je peux vous mettre en contact, si vous voulez. Eh ben, Ward est arrivé au bon moment. Soit il a une veine de cocu, soit il a de bonnes infos. Il va me falloir un peu des deux. C'est certain. J'ai ses coordonnées. Et s'il vous faut autre chose, faites-le nous savoir. Je m'appelle V. J'enquête sur la mort de Lucius Rhein. Je me demande pourquoi. T'es pas flic. Jefferson et Elisabeth Perales m'ont engagé. Le futur maire s'intéresse à la mort prématurée de son prédécesseur. Intéressant. Moi aussi, j'ai trouvé des choses intéressantes en creusant un peu. D'accord. Je suis en route vers le Chubby Buffaloes. J'arrive tout de suite. Aucun homme,
Quelqu'un qui veut te parler, on dirait. Je me demande de quoi. C'est toi, River Ward ? En personne. V, c'est ça ? Mon équipier, l'inspecteur Han. Ok. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. T'as vraiment l'intention de bosser avec une merque ? J'ai encore rien décidé. Pour l'instant, je vais juste voir si elle a du nouveau sur la mort de Rhein. T'es encore sur ça ? Le chef t'a déjà dit de laisser tomber. N'oblige pas à te le répéter. Tu sais qu'il a vraiment horreur de ça. Et si tu t'en fous de ce que dit le chef, t'écouteras peut-être le conseil d'un ami. Faut que t'oublies cette affaire. Tu me vois faire quelque chose, là ? Je bois juste un café, tranquille, en écoutant des ragots. Ok, fais comme tu veux. Pas question que je participe à ça. Je dois aller chercher la petite, de toute façon. Et essayer de trouver un coin plus tranquille, au moins. Histoire qu'on vous entende pas. Ok, je t'écoute. L'inspecteur Han n'est pas fan des Edge Runners, on dirait. Je le prends pas pour toi. L'inspecteur Han n'aime pas grand monde, à part sa fille. Est-ce que tu voulais me parler ? Avant l'attaque, tu voulais parler à la sécurité de Rhein. Leur transmettre une info. C'était quoi ? C'est quoi ? Han a raison. L'acoustique est un peu trop bonne ici. Je suis garé juste dehors. Ok, très bien. Les gars du commissariat ont repéré Horvat, du côté d'Arroyo. Ils tiraient sur des bennes à ordures en hurlant qu'ils devaient voir le maire. Ils l'ont embarqué. Ils ont embarqué qui ? Peter Horvat, le cyberpsycho qui a attaqué le maire plus tard. Ils l'ont conduit au poste, mais il s'est perdu avant qu'on ait pu prendre sa déposition. Tu dis qu'il s'est perdu ? Comment c'est possible ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un voulait pas le voir en cellule ce jour-là. Et avant que tu le demandes, non, je sais pas qui. À mon tour, pourquoi Perales s'intéresse à ça maintenant ? Et pourquoi il fait ça en douce, sans en parler à la police ? Le Red Queen's Race, t'en as entendu parler ? Tu sais ce que c'est ? Peut-être bien, ça dépend. Est-ce qu'il y a un rapport avec Rhein ? C'est là qu'il devait aller le jour où il est mort. D'accord. On va aller voir mon indique. Tout ce que je sais, c'est que c'est un club de luxe. Aucune idée d'où il est. Mon indique le saura peut-être. Après, on ira voir la femme pour qui bosser Horvat. Ou alors, on peut aller la voir d'abord. C'est comme tu veux. Je préfère voir sa patronne d'abord. Un type qui a les moyens de se payer autant de chrome devrait pouvoir s'acheter des antipsychotiques. Faut chercher par là, alors. Ok.
Le boulot d'un inspecteur, c'est discuter 90% du temps. Alors on est censé parler à qui, au juste? La patronne du cyberpsycho, c'est ça? Christine Markov, 42 ans. Unique employeuse d'Orvat, d'après le dossier. Et aussi son seul contact, en fait. Allez, V. Je sais pas à quoi elle ressemble. Va falloir se renseigner. Je prends à gauche, et toi à droite. Christine Markov. Où je peux la trouver? Je la connais pas. Acheter quelque chose? Vous êtes Christine Markov? On a des questions. Vous êtes flic? On cherche des infos sur Peter Horvat. Il bossait ici, apparemment. Ouais, il a bossé ici un temps, avant qu'il se mette à faire des discours débiles en permanence. Il racontait quoi, dans tous ses discours? Les corpos tiennent Ryan par les couilles, mais il m'a quand même baisé. C'était son leitmotiv. Pourquoi il en voulait au maire? Vous voulez comprendre un dingue? Il devait croire que Ryan lui parlait à travers la télé, qu'il lui promettait des trucs et qu'il oubliait après. Écoutez, c'est que mon avis. Dans le monde d'Orvat, tout le monde était contre lui. Lucius Ryan voulait le baiser, et il l'a eu. Il n'y avait aucun autre lien entre eux? Réfléchissez bien. L'argent facile, c'est ça qui intéressait Orvat. Il n'a pas fait de la prison pour rien. Il bossait pour des gens réglo, et d'autres moins. Ryan et lui avaient peut-être des amis communs. Ce sera tout, inspecteur. Vous faites peur à mes clients. Alors Horvat en voulait personnellement à Ryan. On aurait dû s'en douter. On pourrait croire que ça nous a pas apporté grand-chose. Mais les infos trouvent parfois un sens quand on a du contexte. Admettons que quelqu'un se plaigne d'avoir une migraine. Un détail sans importance, hein? En général, c'est vrai. Mais si après le type se balance sur l'autoroute, le voisin peut se souvenir que quelqu'un a fait des travaux sur la clim chez le gars, celui qui avait toujours mal à la tête. Alors, accident, coïncidence, ou du poison dispersé dans l'air, un meurtre? T'as vraiment bossé sur une affaire comme ça? Non, j'ai inventé. Mais c'est quand même vrai. Super. Laisse-moi régler ça, V. Écarte-toi, Lug. Ton pote en a pris pour plusieurs années. Tu voudrais pas qu'il t'arrive pareil? Allons, allons, messieurs. Hé, on se calme. Allez, le clown! Saute! Avec la commande! Promener avec toi, c'est carrément risqué. Tous les gangs en ont après toi, ou c'est juste les Tigers? Je suis flic. Qu'est-ce qu'à t'espérer? Je vais devoir faire un rapport. Je vais voir si mon indique a des infos sur ton club, le Red Queen's Race. Je suppose que tu lâches pas l'affaire. Tu rigoles? Je dois d'abord nettoyer tout ton bordel. On se retrouve là-bas. J'imagine que t'es d'accord.
Hey, salut. Mon indique bosse ici. Va lui parler. Moi, je t'attends dehors. Dis-lui qu'Igor le salue. Il comprendra le message. Ok, attends ici si tu veux. Qu'est-ce que tu cherches ? De l'inspiration ou bien quelque chose de précis ? Dans les deux cas, je peux t'aider. Igor te salue. Non, putain ! J'ai dit que j'arrêtais ! C'est fini ! Foutez-moi la paix, putain ! C'est pas compliqué ! Putain ! Salut, Neil ! Va chier ! Du calme. On a juste une question à te poser. Y a rien à voir par ici. Allez, dégage! Foutez-moi la paix, ok? Vous pouvez pas m'obliger à faire quoi que ce soit. Si, en fait, on peut. Et on n'hésitera pas. On te demande juste où est le Red Queen's Race. Je sais pas! Alors fais un effort! Et pas dans 10 ans. D'accord. Putain. On se calme, ok? C'est en dehors de la ville, près du fleuve. Du côté de Bonita Street. Qui est déjà allé? Je vous dirai pas un mot de plus, rien. Allez vous faire foutre, tous les deux. Bon, ben voilà. On dirait bien qu'on avance. Je vais directement à Bonita Street. Tu m'accompagnes? Ça marche, merci. Allez, V. C'est le territoire des Animals. Merci, je vois ça. T'as foutu un des leurs en tôle récemment ? Non. Mais eux non plus. Ils aiment pas trop les flics. Je peux pas entrer sans mandat. Mais toi ? Mm-hmm. D'accord. Je te tiens au jus. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Dégage. Y'a rien à voir ici. Je cherche un club, le Red Queen's Race. C'est fermé. Et c'est pas prêt de rouvrir. Alors, je peux jeter un œil à l'intérieur, non ? Non, tu peux pas. Personne entre. Alors barre-toi d'ici. Pour ces conneries.
douleur. On est là. Alors, le club est dans le coin. Dans le garage, je suppose. Ou bien en dessous.
Joli. Quelqu'un voulait vraiment cacher tout ce qui s'est passé ici. Alors, tu dois chercher quoi? Il faut trouver ce qui devait servir de bureau. Il y en a un dans tous les clubs. Allez! Allez! Pas ici! Pas maintenant! On dirait une sorte de bureau. Les ordinateurs, c'est surtout ça qui nous intéresse. Ouais, raide comme une planche. Il est mort depuis une bonne heure, je pense. Non, pas de carte de la traumatime. Il a pas dû l'emporter exprès. Dans un club pareil, on n'a pas envie que la trauma se pointe en défonçant la porte au moment le plus chaud. Sûrement le cœur, il devait se faire un truc un peu trop vicelard. Ok, ouais, on va faire comme ça. Le légiste le trouvera chez lui. Je lui dirai quoi écrire. Il est mort tranquillement dans son lit. Les gars l'emmènent. Non, évidemment, personne ne les verra. Ouais. Ouais. Je te rappelle tout à l'heure.
Bizarre. On le connaît, ce type, non? V, je suis pas d'humeur à plaisanter. Je crois qu'on a vu tout ce qu'il fallait. Bien, on y va. Ok, on fout le camp. J'ai repéré une autre sortie quand on est entré. Encore avec cette minable. Écrase, Harold. Je sais ce que t'as fait. Je vais pas te demander pourquoi t'as maquillé ça, ni ce que t'es allé foutre dans ce merdier. Je veux juste savoir qui t'a donné l'ordre. Qu'est-ce que ça peut faire, River? Pourquoi ça t'intéresse? T'as la conscience tranquille. Tu peux dormir la nuit. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai pris toute la responsabilité. Toi, tu sais pas comment ça marche, cette ville. Tu crois que tes grands idéaux à la con... ça va changer quelque chose? Eh ben non. Ils ont jamais servi à rien. Hé, me regarde pas comme ça, la merc. Tu sais que j'ai raison. Hé, me mêle pas à ça. La politique ou ce qui se passe au NCPD, c'est pas mes oignons. Tu fais quoi, alors? Ah, attends, je sais. Tout ce qui rapporte des édits, hein? Classique. Ça me surprend pas, mais je te juge pas. Tu cherches juste ta voix et une place dans cette putain de ville. Comme nous tous. Tu sais que dalle sur moi. Alors fais pas comme si tu me comprenais. Je disais pas ça pour te vexer. V, j'apprécie ton aide, mais... ça te regarde pas. Je m'en occupe. Tu comptes faire quoi? Me mettre en état d'arrestation? J'ai un enregistrement. Un mobile. Des aveux. Alors ouais, je pourrais. Mais ça rimerait à rien. T'as même pas besoin de me dire qui t'a ordonné de faire le ménage. Je le sais déjà. Et puisque même nos chefs sont mouillés, je dois aller voir les affaires internes. Ils feront que dalle. Pas à moi. C'est toi qui vas te retrouver dans leur collimateur. Allez, rentre chez toi, Ward. Va dormir. T'arriveras mieux à digérer ça demain matin. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Fais chier. Alors, et maintenant? Je peux pas laisser passer ça. Non. Holt a assassiné Rein. Il voulait son poste. C'est le plus vieux mobile de l'histoire. C'est pour ça que j'y crois. Il s'est servi du NCPD pour couvrir ses traces. Je pense aussi que c'est Holt. Y'a que lui qui avait à y gagner. Je vais informer les affaires internes. J'en sais assez pour faire rouvrir cette enquête. Vas-y. Et toi? Tu vas faire ton rapport au père Alaise? Ouais. Ok. Je vais rester, observer un peu. Merci, V. Alors, pour Rein, j'ai une idée assez précise de ce qui s'est passé. Parfait. Passez donc nous voir. C'est une affaire délicate. Je préfère en parler face à face. Nous vous attendrons.